Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est... Elle va nous hanter! Oh, que... les proutes géants! Elle va nous hanter? Ouais, j'ai fait la liaison, je sais pas pourquoi. Ah oui, elle nous hante. Tu vois, elle balance des crânes. Ah ouais, non, elle nous hante là. Elle nous hante de ouf! À ce moment-là, je savais que je n'étais plus tout seul dans cette fusée. Grâce à mon térémine, j'ai découvert l'existence de perles de lait. J'allume ma ghost box. J'entends que des trucs absurdes à chaque fois. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? La cervelle de l'ombre! Et c'est vous! Non! Si tu kiffes alors, mets un pouce bleu, ma couille. Coucou! Salut tout le monde! Mika! Allez, dis pas son propre prénom! Mika! Pourquoi t'as marqué Mika? Je sais pas, je m'occupe. On est avec Hugo Délire et Cantoul. Salut, salut tout le monde! Et moi, je fuis la merde? J'ai dit on! D'accord. Ah, la petite femme qui s'énerve là! Et moi, tu m'aimes plus! Non, je suis pas intéressante, c'est ça, pour tes amis? Mais Link, dis-moi, on se retrouve sur quel jeu aujourd'hui? On se retrouve sur Fortnite! Oui! Oh, c'est drôle, hein, voilà. C'est drôle les OP! Hein. Bah... Ça nous fait rire les OP! Non, mais dis-moi en plus sur ce jeu! Mais Fortnite, c'est un jeu qui est fait par Epic Games, Terra, tu le sais bien! Oui, et il est disponible sur quelle plateforme? Oh là là, dis donc, c'est marrant, c'est exactement les questions que je veux que tu me poses! Alors, c'est disponible sur PC, donc ordinateur, sur console, donc PS4 et Xbox One. C'est super. Ouais, il est pas sur 3DS. C'est pas sur 3DS malheureusement. Quitte cet établissement. Ce n'est pas disponible sur Switch. Oh non, je pense. On espère dans une future mise à jour sur cette console. Hey Link, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors c'est un jeu, ça rappelle un peu les Tower Defense, tu vois, genre t'as des vagues de zombies et tu dois protéger un truc. Mm-hmm, mais ce serait un genre de mini open world. Bah là où c'est différent, c'est qu'effectivement tu as un open world et que c'est un peu, c'est pas RPG mais un peu comme ce que tu peux looter pour crafter des trucs. En fait, tu craftes ta base complètement. Écoute, tu fais pas que poser des pièges. Je l'achète tout de suite. Eh bien, vas-y, achète-le. Tu vas su me convaincre. Je lance le jeu. Voilà. 15 personnages débloquables. Bruit de tiroir caisse. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes? Oui, on n'est pas obligé de les casser. Non, tout se casse. Mais vous pouvez aussi. Tous dans la salle de classe et vous fermez vos gueules. D'accord. Poser c'est des salles de classe de la République démocratique du Congo, ça, par contre. Alors, Quentin, on est en retard en cours. Salut. Oh non, allez, on va faire un coup sur Fortnite, sans de question. Allez, ah bah tiens, entraînez-vous sur des zombies, tiens. Du coup, c'est 7 heures par mission. C'est ça à peu près. C'est ça. Allez, ça avance les petits amis, ce travail. Moi je vous regarde construire là. Parce que c'est bien BTP Simulator. On regarde faire, c'est ça. Oui. Monsieur, il faudra repasser d'ici la semaine prochaine. Ah les travaux, ouais, tiens. Eh ben, ça commence à avoir de la gueule cette petite base. Ça veut dire quoi? The Migrant are coming. Par contre, j'ai hâte de péter un building parce que le dev a dit que si on pétait toutes les fondations d'un bâtiment, ça s'écroulait. Ah, ça va être fantastique ça. Ah bah elle est belle votre lancement de gitan là. J'avoue, les mecs ils font un truc de lancement en bois. Ouais. Par contre j'ai plus de vie là. Appuie sur 6. Oh. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile, de l'huile naturelle. C'est qui l'enculé qui vient de me voler ma bleu-bite? Je suis en train de construire un escalier tout à l'heure. C'était toi non? Gros enculé. Je vais aller voir si je peux. J'ai fait un escalier. Nous, et là, tu faisais un immeuble. Oui. Oh non, pas ça. C'est, bon. C'est de la merde ça. Quoi ça? Ah, les mange-morts. Les mange-morts. Les mange-morts. Dans Harry Potter. Je oui, mais ça ce qu'aspire ton âme là. Qui te laisse que les mauvais souvenirs. Des trackers. Des trackers. C'est vachement loin de mange-morts. Aidez-moi. Ouais. Je vais crever. Ah, j'ai amélioré le bout de bois sous le radar. Ça fait disparaître le radar. Comment on fait du coup? Ah. Du coup, Epic Games, si vous écoutez. Quoi? Bah y'a plus de radar. Comment ça y'a plus de radar? J'ai voulu améliorer le bois sous le radar il a fait salut. Attends, non. T'as quand même pas dit qu'il y a le radar hein? Mais non. Et je l'ai pas cassé, il a disparu. Et c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Loïc. Et on peut s'arranger. C'est impossible. Mais non. Mais c'est Davido là, j'améliore tout. Oh non. Au lieu de laisser tout ça. Ah ça va être de ma faute. Je vais construire des doubles masques avec la bleu lit, tu vas voir. Faire un retour. Attends, je vais écrire un retour. Bonjour monsieur Epic. C'était pour vous signaler. Bonjour. Arrêtez de faire low breakers. La fusée a disparu. Améliorer son plancher. De plus, nous avons déposé 8 bleu bits au lieu de 3. Et Quentin a fait disparaître le radar, précise-le ça. Monsieur Quentin, il a fait disparaître le radar. Je vais mettre entre parenthèses à cause de Quentin. Salut.
Ah mais attends, attends, apparemment on n'est pas du tout sur la fusée là. Comment ça? Mais non, la fusée elle est là-bas. Y'a un mec qui dit qu'il a point d'exclam, il a point d'exclam. Par contre quand j'ai envoyé le rapport de bug, mon jeu a crashé. Non c'est bon. Non c'est bon. Attends, on va retourner là-bas, voir si on peut le faire là-bas. Attends, mais ça se trouve, c'est pas la fusée tout à l'heure. C'était pas la fusée là? Moi je rigole parce qu'il y a un poste de police et il y a une grosse lumière avec marqué PD dessus. Ça veut dire police département. Ah bah oui, allez, la fusée. Oh, la fusée. Ah bah oui. C'est vrai que ça ressemble un peu plus à une fusée. On va pouvoir déposer des bleu-bits sur la fusée. Eh mais faut défendre là. Ouais mais faut faire une base autour. Activez pas. Oui. Mais non. Mais non. Alors sachez qu'en temps normal on n'aurait pas dû activer et qu'on aurait fait une belle base autour. Ne faites pas pareil. On le fera. N'appuyez pas sur le gros bouton. Il faut qu'on arrête de faire les objectifs secondaires, je crois, parce que du coup ça met plein de textes blancs partout sur l'écran. Oui. C'est un peu agaçant. Okay. Et l'autre il fait un plancher là et après c'est moi qui me fais traiter de double masque. Mais c'est nul ça. Eh, on est bien ou pas? Waouh. Bon, on active pas. C'est lui qui dit ça. We are gonna build a wall. I was given a small loan of $1 million. Vieux mur. Qu'est-ce que c'est que ce mur à la con là? Viens-moi ça, Damien. Non. Je vais faire des murs là avec des pièges. C'est mon château de sable. Pourquoi t'as fait une pyramide? Je sais pas, en disant qu'elle sera dure à monter. Ah, c'est pas une pyramide, c'est un toit. Ah oui. J'ai fait un toit. Le toit, moi je suis pas convaincu. Je sais pas, je pensais que je pourrais. Enfin, je crois qu'ils vont juste taper dessus comme des coups. Oh mais... non, mais c'est pas. Ça les ralentira. Ça les ralentira. Eh, pas con, cool, gamin. On en fait beaucoup, je crois, parce que c'est level 15 et c'est pas dur là, je crois. Bah alors, ça coûte rien. Allez, te faire courir le requin, moi. Tenez, ça c'est pour vous, bande de gueux. Vous me mettez dessus si vous voulez de la vie. Oh, bah merci, ça c'est bien gentil à vous. Je pense à mes amis. On y va pas un peu fort là au niveau de la défense? Si. Bon, franchement, mais... Eh, attendez, allez, on y va. Non, on y... Si, moi je veux juste voir au niveau des pièges. C'est quoi le plan? Ça marche. Franchement, les pièges, on a même pas besoin de défendre. Où est-ce qu'ils vont? Bah parce qu'ils peuvent pas passer grâce à la pyramide. Ah, super. Vous voyez que cette pyramide, elle sert à quelque chose. Oh là. Ouais, pardon, oh, c'est on a tout cassé notre fort. Non, pas là sur les murs, y'a pas de... Casse-moi tout là-dedans. Ah, franchement, c'est tranquille, hein. On pourrait même aller se faire un apéro à l'intérieur en attendant. On retirerait pas cette pyramide là pour qu'il passe et qu'il passe. Il passe jamais par là, hein. Ouais, mais justement, c'est très bien qu'il passe. Ah ouais, si tu veux, ouais. C'est plus possible. Ouais, non, ils vont se faire. C'est terminé. C'est terminé. On est sur le toit et je regarde. On lance. Allez, y'a des cornetto glacés qui sont créés. C'est-à-dire... Bah je sais pas, y'a des trucs qui sortent du sol en forme de cornetto et ça fait apparaître des zombies. Wow, ils sont en train de tout péter. Merde. Comment ça? Pardon? Vous êtes... Oui. Oh damn. Mais ils sont dedans. Ils ont tout cassé. Ok. Oh le cornetto là. Oh, oh là c'est pas, il y a du chocolat au fond là, vas-y là. Oh putain, c'est on la pomme cône là. Le chocolat au fond. Ah, elle zante. Oh non, y'a beauté en herbe. La fusée. Elle va décoller ou pas? Oh. Oui. Oh, oui. Oh. Il est fort le programme spatial indien. Allez, c'est qui a eu le plus de points là? Quel est le meilleur? Utilitaire, qu'est-ce que j'ai fait? Bah t'as mis plein de pièges et une pyramide. Total d'XP gagné 0. Merci. Ah, merci bien, ça fait toujours plaisir. Vas-y, on fait 28, on va en chier un peu. Je pense que je suis chaud, hein. Eh, je vis au pays. Hein. Je suis chaud. Oh, je crois que j'ai plus d'argent sur le compte. Pardon, Epic Gavès. Ça vous coûte rien à vous, non? 19 minutes, qu'est-ce que... Quoi? Temps avant d'extraction. Ah mais faut aller vite ou pas? Oui, frappez vite, frappez fort, c'est ce qu'ils ont dit, je crois. Et ça c'est quoi? J'ai trouvé un camp. Attends, je vais lui mettre une petite pluie de... Mais non, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Non, ça marche pas du tout. Oh, il y en a un qui est actif. Faut les mitrailler de ouf pour les tuer. Eh oui, ils sont niveau 28, nous on est niveau 19 et 18. Il y a le monde de Narnia, on peut aller dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais vous êtes où? Je fais le camp tout seul. Faut venir... Mais faut se dépêcher pour les camps, en fait. Je suis mort. Incroyable. Je suis au sol. Donc on peut mourir. Mais c'est le déstockage avant la fermeture du dernier Virgin à Paris. Attends, on peut faire un duel avec toi. Tu m'as demandé au dernier tout qui. T'as arrêté d'être un camp en sommeil. Hugo, tu as volé mon menu B12. Allez, les petits amis, j'ai plus la vie en moins. Ah, bah d'accord.
Merci. Ah, tu vas pouvoir expérimenter le système de mort. T'es content? 9 minutes, on peut en faire, hein. 2, ça se fait. On peut en faire 1 là, je pense. Mais non, mais... non, 2, c'est large. Enfin... Cette tempête contient des ennemis de type feu. Thomas, si t'as un petit coup de heal, je suis pas contre. Hein, parce que... Moi j'en ai, j'ai vu là. Viens à côté de moi. Ceux qui ont besoin de vie, mettez-vous à côté de moi et dites-moi go. Mais non, si je viens, je vais me faire crever. Si c'est bon, je suis là, Damien. C'est trop tard. Bon. Trop tard. Tu m'as dit non, je peux pas, j'ai dit ah bah allez. Okay, allez, c'est ça. Il est où le dernier là? À l'ouest. Et c'est quand que tu le repères? Ah ok, la lumière. Oh putain, y'a du monde, si je crée une explosion, ce serait parfait. Mais attends, j'ai des grenades je crois. Mais c'est des pétards. C'est des claques doigts. C'est tout à fait nul. Alors aujourd'hui on va tester avec Magma, avec David. Au secours. Y'en a plein. Allez hop. C'est gagné. Bien joué. Super camp détruit. Oh là. C'est un peu ambitieux ça. Ah faut continuer. Ah bah non, j'ai péri. Revive. Je peux pas te revive, y'a trop de joueurs. Je te revive. Allez. Oh, yes. Vous êtes vraiment des bons amis. Attention là, car derrière toi, t'as plus de vie. Ah, c'est quoi déjà le truc qui fait fuir les détraqueurs là? Tu veux un patronus? Mais non, mais il y a un cerf qui fait fuir les détraqueurs. C'est un cerf qui fait de la lumière et genre. Mais non, ça ouais, c'est un rien à voir. Lumos Maxima. Link, help. Quand tu auras terminé de tuer celui-ci. C'est bon, il m'a oublié. Il a pris tous mes souvenirs les plus heureux, il est parti. Peut-être qu'on peut finir celui qu'on a... Il a commencé. Mais peut-être qu'on pourrait... Alors, les stats. Stats de mission. Oui, bon, bah, pas besoin de les regarder, ça va, on s'en fiche. Surtout pas toi, Hugo. Bah bien, je crois qu'on est abonné au dernier. Hein. Alors, on n'a pas fait le tutoriel. Mais du coup, Hugo, t'as ouvert aucune pignata? Non, je sais. Ah, bah, j'ai plus d'argent. Bah voilà. C'est quoi, j'en ai acheté 6. Allez, j'en ai acheté 10. Oh, des upgrades pour des armes. Oh, une hache épique. Tu surjoues, t'es vraiment content? Non, mais c'est une hache épique, mec, elle a une gueule de ouf. Ok, en fait, quand tu tapes dans la pignata, tu peux l'avoir en argent ou en gold ou je sais pas quoi. Ah, moi aussi, j'en ai une en argent. Moi, j'en ai eu 2 en gold là, je crois. Fils de pute, pardon. Mais apparemment, je bah. Oh quoi? J'ai un peu d'interrogation. Bon bah c'est bon, on peut en refaire une petite mission. Ah, ouais, bah faut sauver des survivants. Faut se dépêcher de trouver des survivants. Comment on fait pour les trouver? Dans cette maison abandonnée, il y a forcément quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il est où le survivant? Je l'ai, il dort. Ah non, c'est un zombie. Ça va monsieur? Non mais il a une tête d'homme de par derrière. Ça vous dit on construit une fusée les gars? Ah, j'ai fait une pompe à bite. Bleu bite. Pompe à bite. Ces murs ils sont construits avec de la bite. Je sais. Putain. Mais qui construit ça, des brindilles, des cajous là. Bien joué. Ah. Yes. Et bah voilà. Ah, je vois les semblants de murs que vous avez essayé de faire autour du... Oui, le mur en bois du go là pour protéger une base. Oui. C'est une franche réussite tout ça. Mec, il est blindé de matériaux et construit en acajou. Allez hop. Victoire. Bon, ça ressemble pas à ça notre base. Non, pas trop. Vraiment. J'ai des fuites urinaires. Je mange des rillettes, j'ai la chiasse. Je suis comme tout le monde. Alors, stade de mission. Oh, je suis premier! C'est pas des blagues? Non. Ah, d'accord, je croyais que c'était. Si, c'est une publicité avec une vieille qui avait des fuites urinaires. Ah, ça oui. Parce qu'il faut connaître les pubs sur les fuites urinaires. Bah, tu regardes pas les pubs sur les fuites urinaires? Non. C'est les mieux. Je ris, j'éternue, j'ai des fuites urinaires.